choisi les stacks, je pense que c'était la meilleure décision à prendre pour ma famille, pour moi, pour la suite de ma carrière. Et ouais, depuis mon arrivée ici, ça se passe super bien. J'ai trouvé un club très, très familial, un groupe super bien qui s'entend bien. Et puis là, en ce moment, on a eu une bonne suite de résultats, à part la défaite à Lens qui a été un peu dure, mais sinon, c'était bien. Comme on l'a dit après le match, voilà, ça, c'est sûr que c'est embêtant de prendre un 4-0 comme ça, mais ça nous met une claque. Voilà, on sait que rien n'est acquis en Ligue 1, c'est difficile, faut jamais rien lâcher. Il faut être solidaire à tous les matchs pendant 90 minutes. Et comme on se l'est dit, voilà, vaut mieux prendre une fois 4-0, se remettre dans le boulot et dès Saint-Étienne, retrouver le goût de la victoire. C'est un match qu'il faut gagner, surtout à la maison. Voilà, si on peut les mettre un peu plus loin encore, il faut le faire. Quand on joue un concurrent direct, faut gagner le match, surtout à domicile. On sait que ça va jouer beaucoup dans les duels, dans l'envie, parce que c'est comme ça qu'on arrive à se sauver en Ligue 1, donc il va falloir s'attendre à ça dimanche. Quand une équipe a l'euphorie de monter en Ligue 1, comme ça, après être champion de Ligue 2, c'est vrai qu'il y a la confiance, on voit, le groupe travaille bien. Techniquement, c'est très fort, je trouve, le groupe. Quand je suis arrivé là, j'étais assez surpris. On a tout pour se maintenir. Après, comme j'ai dit, le foot, on sait jamais, hein. Il y a beaucoup d'aléas, de blessures, de suspensions. Donc non, il faut rester la tête dans le travail. Continuer à faire ce qu'on faisait de bien les dernières semaines, là. Il faut rien lâcher. Pour les clubs comme Troyes, c'est sûr que de faire des événements comme ça, c'est un plus. Je pense que ça amène des gens qui veulent découvrir un peu le foot, en même temps qui aiment la musique. Donc ils peuvent profiter des deux. Après, le foot, c'est aussi un spectacle. Donc c'est vrai que c'est bien de ce côté-là. Après, on a vu qu'il y avait des animations aussi pour les petits en dehors du stade. Et c'est vrai que ces choses-là, c'est toujours un plus pour les clubs, je trouve, pour amener des gens au stade. Retrouver les supporters à domicile, ça apporte toujours un plus. On l'a vu dans les matchs comme Nice où on mène 1-0 avec le public qui nous pousse pour tenir le score. Ça aide toujours, ça fait, comme on dit, le 12e homme. Hein. Et ouais, on aime partager ces moments-là avec eux. C'est pour ça qu'on fait du foot, hein. C'est ces moments-là qu'on aime quand on a une victoire à domicile, pouvoir le fêter avec son public. Essayer de faire un peu mieux que les 10 premiers matchs. Parce que quand on est en bas, je l'ai vécu avec Reims l'année dernière, quand on reprend en janvier, c'est difficile quand on voit qu'on est en bas du classement. Donc c'est vrai que se situer à milieu de tableau, ce serait top. Ouais. Donc il faut aller chercher les victoires.